Kwanzaa. J'ai pas de charisme, j'ai pas de talent. À vous de juger, à vous les studios. Allez, salut. Arrête YouTube, mec. Allez. Make my day. Bonjour et bienvenue dans cette opération frisson spéciale. Voilà, c'est fini. Et oui, après 16 ans de bons et loyaux services passés auprès du groupe Canal, avec l'émission culte Opération Frisson, diffusée de 2003 à 2019 sur la chaîne câblée Ciné Plus Frisson, ce bon vieux Yannick Dahan a dû plier bagage et nous laisser le cœur triste et la gorge serrée. Ce n'est que d'en revoir, mes frères. Nous qui avons suivi avec assiduité ce rendez-vous génial du cinéma de genre, sommes vraiment meurtris dans notre cœur et notre âme, même si ce bon vieux Yannick, oui je te tutoie même Yannick, qu'est-ce que t'as foutu bordel, tu as loupé des pépites du cinéma de genre français depuis 3 ans, et ça fait vraiment de la peine, c'est dommage, parce que du coup, ça empêche la parité et la diversité que tu défends tant ici, eh oui, putain. Et on s'en tape les roubignoles comme un lendemain de soirée un peu difficile, parce que tu nous as fait bander, tu nous as fait kiffer, tu nous as donné envie de faire ça, mais surtout, tu nous as fait découvrir des pépites comme des bis des viands, des potacheries fandardes, des bousards intergalactiques, des chefs-d'œuvre absolus, des bons vieux Steven, des familles, et des films de Yakaïou en peinture, voilà. 16 ans de... Bonjour et bienvenue dans cette opération frisson spéciale. Et de... Je parle bien sûr de notre Steven National. C'est que de... Give me the DVD sur Punk Motherfucker. Et de... Au programme cette semaine donc. Et de... Donc voici ce petit hommage pour te montrer que tu vas nous manquer, qu'on ne t'oublie pas et qu'on t'aime surtout. Houhou. Tu me quitteras jamais. Jamais. Voilà donc, sous vos yeux ébahis, une émission placée sous le signe de l'amour, de l'estime, de l'amitié, mais avant et surtout du défouraillage le plus total. À l'heure où les manifs pleuvent, les jugements de pourris se multiplient, les actions diverses et variées se développent pour améliorer le sort du monde, l'hypocrisie, la haine et la bêtise la plus crasse, la violence, les actes affreux et barbares sont malgré tout toujours bien présents, comme la guerre aussi, hein. Alors, hey. Ce numéro est donc un cri du cœur, un pas en avant vers ce mouvement de rébellion qui gronde et qui traduit une envie, une volonté de fraternité, de soutien et de communion les uns avec les autres, bordel de merde. Mais comme on ne vit pas chez les bisounours dans un monde rose bonbon, la seule réponse à ce... Ah putain, à ce marasme, c'est chaud. Mais comme on ne vit pas chez les bisounours dans un monde rose bonbon, la seule réponse à ce marasme ambiant reste par-dessus tout le cinéma de genre sous toutes ses formes. Que ça soit de l'humour balourd, du drame mystique et intimiste, du cinéma de genre français qui dépote, ou du film de super-héros badass, chacun développe son univers, soit en restant conventionnel, vain, creux et sans saveur, soit en proposant une alternative vénère à ce système qui nous gangrène et que nous souhaitons désinguer avec un pétard à la bouche, le majeur dressé et un esprit anard toujours intact. Can you see that? Venez donc défendre votre point de vue avec nous pour qu'on discute, même si on n'est pas d'accord, on trouvera bien un terrain d'entente pour leur foutre au cul. Bienvenue donc dans une émission où il n'y a pas de bons et de méchants. Bienvenue donc dans une émission où il n'y a pas de bons et de méchants, mais juste des gens différents qui cohabitent et partagent, tout en suivant chacun leur propre trajectoire. On brandit fièrement notre doigt et on se dit que parfois, ça fait du bien d'envoyer valser les conventions et les règles qui régissent notre monde. Et lui asséner un bon gros fuck au bout. Oh! C'est bon? Oh putain, j'ai mal au dos. He's so flexible. That's what's so great about him, he's very bendy. Et finalement, tout cela rejoint la logique du cinéma selon laquelle les costards-cravates vampirisent le projet et le modèle à leur sauce ou laissent libre cours à l'imagination et à la conception artistique du réalisateur. Montez vite à bord de notre manège où le politiquement correct est banni, où le faussement culte n'a pas voix au chapitre et où l'insolence est reine. Mais contrairement à nos habitudes, nous allons commencer par un film qui correspond parfaitement à ce que je viens de dire. Au programme cette semaine donc, quand tu fais une suite, c'est mieux si elle ne ressemble pas trait pour trait au premier opus. Is it me or does he kind of remind you? I don't like you at all. Si un producteur cupide vous propose une bouse, n'oubliez pas de lui crier votre refus. Caitlin, give my hand up. He's a creep. Help him up. What are you doing? Mais dans tout ça, le plus important finalement, c'est de se foutre des mouvances actuelles et de proposer un divertissement mal pollué et généreux. Voici donc une sélection inégale, où le genre peut être vecteur de sens, mais peut être aussi pensé comme argument marketing. Mais on vous le dit direct, on commence avec un uppercut au cœur et au ventre. Et oui, on débute avec
avec un long métrage qui nous fait bien plaisir, même s'il ne s'agit pas du meilleur film de ce bon vieux Fabrice Duwels. Comme d'habitude chez lui, il y a quand même un truc qui se passe, presque inexplicable. En fait, si, il s'agit d'un projet ambitieux, dense et émotionnellement très fort qui nous prend au trip du début à la fin sans jamais nous lâcher. Alors on pourra lui reprocher ici et là quelques excès de zèle et un récit un peu trop explicatif ou stagnant. Il est et restera un de nos meilleurs réalisateurs de genre francophone. Un de nos meilleurs réalisateurs francophones tout court d'ailleurs. Bêta. On le connaît bien ici, Fabrice Duwels. On a aimé Vignan en 2008, Message from the King en 2017. On a moins accroché à Code 45 en 2014. Mais surtout, on a adoré Calvaire en 2005 et Alléluia en 2014, qui sont les deux premiers opus de sa trilogie ardennaise, dont Adoration en est le dernier représentant. Comme pour annoncer la fin d'un cycle et le début d'un autre. En racontant la trajectoire de deux adolescents, Paul, ado, introverti et apprenti ornithologue, et Gloria, interne dans un centre psychiatrique dans lequel travaille la mère de Paul, c'est donc dans ce contexte qu'ils vont se rencontrer et s'aimer. Après un acte criminel au sein de l'hôpital, il s'enfuit et va s'en suivre un road trip rageur et violent. On comprend vite qu'encore une fois, Fabrice Duwels donne la parole au laissé-pour-compte, aux gens jugés inadaptés par le système et la société qui se croit au-dessus de tout. Or, le génial metteur en scène est plus malin qu'il n'y paraît. En effet, en mêlant les destins de Paul et Gloria, il les rapproche pour finalement former un ensemble cohérent par justement leurs différences. Duwels n'entend donc pas révolutionner le genre, mais juste nous proposer un trip enivrant et fiévreux. C'est exactement les mêmes thématiques que les Honoré, les Desplechin, les Maïwenn et compagnie. C'est la même chose. C'est le traitement qui change, c'est tout. C'est tout. Il y a une manière de faire chez Duwels qui est pas péteuse, qui est pas prétentieuse. Je reproche rien à ces mecs-là, Maïwenn et tout, ils font leur cinéma. Des fois, il y a des choses intéressantes dans leur cinéma. Je crache pas dessus. Je dis juste que faut arrêter de les porter au pinacle et faut peut-être s'intéresser aussi aux petits mecs qui font aussi des films à petit budget, qui sont pas montrés dans des festivals comme Cannes, alors du coup, qui ont pas l'aura de la critique ciné, de l'intelligentsia parisienne, tu vois. Mais faut leur donner leur chance, parce que c'est pas parce que c'est du cinéma de genre que c'est de la merde, mec. C'est pas parce qu'ils ont pas Chiara Mastroianni que c'est de la merde. Bon, voilà, on dirait que c'est la caution Chiara Mastroianni. Je suis énorme, ça m'énerve, ça m'énerve. Ah, on est dans du cinéma intimiste chez Duwels, on est dans un truc où le spectacle passe par tous les vecteurs qu'il peut utiliser, par tous les trucs qu'il a à sa portée. Je veux dire, c'est pas un type qui va te balancer des belles images et te dire « Ouais, voilà, je vais te parler de la dureté de ce monde, etc. » Non, c'est un type, il pense ses films, j'allais dire, avec Vincent Tavier, toute son équipe, Romain Prota et tout. C'est un type qui bosse en famille, qui a le goût du partage, et ça sent dans les thématiques de ses films et dans la manière de les faire. En restant plus près des personnages pendant 1h35, Duwels reste dans sa logique humaniste de ne jamais condamner ni de juger ses protagonistes, mais plutôt de poser une question. Est-ce eux qui sont anormaux ou la société qui les a façonnés? Par ce plan final, magnifique et riche de sens, le réalisateur y répond sans les excuser pour autant. Mais en les rendant attachants, on les adopte et on comprend vite que Duwels veut faire comprendre aux spectateurs que parfois la société est violente et injuste, que plutôt de dialoguer et de comprendre, elle applique ses règles et ses lois en pensant être dans la norme. Loin d'être manichéen, il fait apparaître en cours de route le personnage de Marginal incarné avec justesse par Benoît Poulvorde qui va prendre les deux ados sous son aile et qui représente cette figure de la neutralité. Mais tu vois, là, par exemple, je veux dire, la maladie de Gloria qui n'est jamais expliquée, on te dit dans les synopsis qu'elle est schizophrène, etc. Mais il n'a pas besoin de mettre en scène, tu vois. Elle est paranoïaque en fait. Et par sa paranoïa, elle fait évoluer le récit. Et les personnages évoluent sans cesse, même Benoît Poulvorde qui a un petit rôle, au départ il pense comme ci, après il pense comme ça, il donne du grain à moudre à chaque point de vue, et c'est ça qui est génial. Il aurait pu te faire un truc, ouais, manichéen, où ouais, les adultes sont des méchants, en gros, et puis c'est les gentils petits, bah non, elle est folle, et puis lui il la suit un peu dans sa folie meurtrière, etc. Mais elle est folle comment? Comment prendre la folie, tu vois? Duwels, il a compris, c'est-à-dire d'une part de ne jamais juger sa maladie de son point de vue de réalisateur, il ne la juge jamais, et surtout, il y a une espèce d'ambiguïté avec lui, qu'il la suit, etc. Et puis, les adultes, au départ, ils paraissent comme dangereux, puis t'as Poulvorde qui apparaît, puis lui, il les protège parce qu'il les comprend. Il y a toujours, voilà, cette humanité, ce récit humaniste chez Duwels, moi, qui me touche au plus haut point. Que je n'ai pas chez Joker. Vaut mieux s'intéresser à un film comme Adoration, qui n'explique rien, qui laisse la force des images parler, qui laisse la force de l'interprétation du spectateur parler, c'est pour ça qu'on défend le cinéma. Ça fait 16 ans qu'on fait cette émission, putain. Il serait temps, merde. Certes, il s'agit sans doute du film le plus mineur et le plus abordable de sa trilogie, mais il n'en reste pas moins un film brut, sensible et tendre, où on a envie d'empêcher les actes des deux enfants, mais en même temps, on les analyse,
et on s'aperçoit qu'il renferme toute la rage et parle très bien de cette période où on passe de l'enfance à l'adolescence, de l'innocence à la découverte de ce monde parfois sans concession, de l'immaturité à la débrouillardise et au monde adulte. Et du Wells n'est pas du genre à t'emballer tout ça dans un papier glacé. Il te balance à la gueule, toi spectateur, tout ce que tu ne veux pas t'avouer à toi-même, que ce monde est aliénant, qu'il court à sa perte et que la seule solution est la fuite. En plus, sa réalisation n'est jamais stylisée à outrance, mais se rapproche plutôt d'un bon vieux caméra à l'épaule, zoom des zooms et gros plans qui fonctionnent grâce à ce récit évolutif où chacun va apprendre de l'autre et où du Wells va pouvoir déployer son savoir-faire pour petit à petit, à mesure que le récit avance, changer ses échelles de plans, ses cadrages et ses actes pour qu'on ressente au mieux ce qui se passe à l'écran. Et que dire de l'incarnation habitée des deux jeunes Thomas Gurria et Fantine Ardouin, qui sont une évidence, tout comme les seconds rôles d'ailleurs. On passera sur une ou deux petites longueurs et quelques symboles un peu trop visibles, et on vous intime d'aller voir Adoration, car du Wells est toujours aussi doué. C'est sans cesse sublimé par la magnifique photographie de Manu Dacos, qui a bossé sur des films très réussis, comme Laissez bronzer les cadavres et amers de Kate Forzani, sur, dernièrement, qui est sorti en septembre 2019, 3 jours et une vie de Boukrieff. Il a bossé sur Evolution, hein, de Lucille Azino-Valeyskovitch, là. Ah, ils ont que des noms à prononcer. Dacos, tout comme Debye, arrive à donner un grain à l'image et surtout à pas se laisser bouffer par la simplicité. C'est-à-dire, il met plutôt en lumière les moments assez trash du film, etc. Parce que c'est en lien avec ce qui se passe d'une part à l'écran et ce qu'on ressent des personnages. C'est-à-dire qu'il y a ce clair-obscur qu'on peut retrouver en peinture qui finalement te dit que les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires, comme il y avait dans Alléluia. De toute façon, les trois films de la trilogie ardennaise du Wells, c'est ça. C'est des amours impossibles face au dictat de la société, face au monde qui nous écrase. Dans Calvaire, c'est est-ce que j'ai le droit de, en gros, de tomber amoureux d'un mec que je pense être la réincarnation de ma femme et que je kidnappe et tout. Dans Alléluia, c'est un couple complètement barré, il tombe dans une espèce de spirale meurtrière, etc. Et t'as un peu ce délire-là dans Adoration. D'ailleurs, le personnage principal féminin d'Adoration s'appelle Gloria, tout comme le personnage principal féminin d'Alléluia s'appelait Gloria. La boucle est bouclée, tout simplement, putain. Tu vois, c'est ça, c'est que ces trois films, ils se regardent certes de manière indépendante, mais il y a toujours les mêmes thématiques, les mêmes choses qui reviennent. Même s'il y a tout ce fond-là avec les gosses et tout ça, c'est vrai que des fois le récit stagne un peu, quoi. C'est bon, c'est bien de faire de la contemplation, voilà, du naturalisme, c'est cool, mais ah, ça serait bien que tu me donnes un peu plus de sucre, tu vois, que tu me fasses avancer. J'ai compris ce que tu voulais dire, passe à autre chose. Alors que d'habitude, du Wells, c'est pas comme ça, il va plutôt à l'essentiel. Et là, comme du coup, il a fait un truc un peu plus mignon, un peu plus avec les enfants, voilà, c'est tout beau. Ça n'empêche qu'il y a toujours la rage qui reste et qui ressort à chaque moment. De toute façon, de par ce que ça raconte, tu ne peux qu'avoir un film viscéral. Ça te prend en trip à la fin du film, c'est le dernier plan. C'était sur ton siège, et tu respires, quoi. C'est oh, laissez-moi sortir de la salle, faut que je. Il m'a asphyxié, quoi. Et j'aurais aimé qu'il aère un peu plus son récit. Spider-Man! Let's go! Get up to safety! Here we go! Bon, là, on va moins se marrer, là. Là, ça va être beaucoup moins fandard. C'est censé être une comédie, mais c'est de la grosse de merde. Oh putain, retour à Zombieland de Ruben Fleischer. Alors, on continue cette émission avec la suite de Bienvenue à Zombieland, sortie en 2009. Il ne s'agit ni plus ni moins que de Retour à Zombieland, réalisé par Ruben Fleischer. À l'origine de déjà navrant Gangster Squad en 2013, et surtout Venom sorti en 2018. Et de Bienvenue à Zombieland en 2009 et 30 minutes maximum en 2011. Qui sont des petits films voilà, à voir avec un pétard dans la bouche avec tes potes pour t'éclater, mais t'as vite oublié le lendemain. Bienvenue à Zombieland, c'est le genre de film qui, voilà, ça a coûté 25 millions de dollars. Vous avez rentabilisé le film complètement, c'est un truc qui a fait plus de 200 millions de dollars de recettes, que ce soit aux États-Unis, dans le reste du monde. C'est un film qui a cartonné, et mec, ils te font une suite, ils te prennent le même budget, quoi. Je veux dire, c'est quoi ça? Ça n'a aucun sens! Si tu faisais un petit film à l'époque en 2009 et tout, bon, qui avait déjà pas de budget, mais qui avait au moins une scène inventive, là tu reprends le même budget pour te faire moins d'inventions. Alors déjà, pourquoi cette suite? Qui parmi cette équipe de professionnels a eu l'idée de pondre un rejeton au premier opus qui n'était déjà pas Jojo? Sans doute à cause de la pression d'une armada de geeks fans du premier épisode qui se contentent du strict minimum pour peu qu'il y ait deux ou trois bastons inventives et quelques blagues de gros sautari bourrés à la bière pour porter ce film faussement cool qui a certes des qualités mais qui était tout de même très ennuyeux lors de ces scènes interminables de dialogue pas du tout constructif entre les quatre personnages principaux. Il ne brillait pas non plus par son originalité ni sa mise en scène amorphe
et un propos complètement dilué dans la citation et le conventionnel. Mais là, c'est encore pire. En gros, c'est le même film, mais en moins bien. C'est le même film, en moins bien. C'est-à-dire que t'as ces mêmes putain de dialogue interminable en bagnole, et il sort en bagnole, et il roule, et puis là, il y a un truc devant, ah bah non, c'est un zombie, hein, tiens, et on le tue, donc t'as 2-3 scènes de zombies comme ça. Film interdit aux moins de 12 ans, tu vois que dalle, parce que c'est hyper sombre et que tu vois jamais rien. Le seul truc que j'ai aimé dans cette suite, c'est Rosario Dawson. Vous savez que je suis amoureux de Rosario Dawson, donc il y a Rosario Dawson qui joue une meuf badass, qui est en gros le pendant féminin de Woody Harrelson, et tu te rends compte qu'ils se connaissaient à l'époque et puis ils se retrouvent et tout. Et de Zoe Dutch, qui est aussi un nouveau personnage féminin, et qui apporte beaucoup de drôlerie, mais au bout d'un moment c'est pareil, son personnage t'en a ras le pompon. Je veux dire, elle est toujours là, c'est la bébête, tu sais, la meuf de télé-réalité, un peu comme ça, qui est un peu saoulante à la langue, je veux dire, ça te fait marrer une fois, deux fois, puis ils sont toujours dans le même ton, et c'est chiant. Et puis les quatre personnages principaux, je veux dire, Woody Harrelson, il est en roue libre totale, il sort n'importe quoi, on dirait un vieux redneck bourré au whisky pendant tout le long du film, il a plus de chico. Il est vraiment en dessous de tout et il fait pas vraiment preuve de charisme à mort, tu vois, il est un peu en retrait, je trouve, tu sens qu'il est fatigué. C'est des gens qui sont factices dans Zombieland, je n'y crois jamais. Je vois Emma Stone derrière son personnage, je vois Jesse Eisenberg derrière son personnage, je vois même Woody Harrelson. Et la pauvre Abigail Breslin, alors déjà qu'elle était très transparente dans le premier, mais alors dans le deux, elle rencontre un mec qui fume de la ganja, c'est un gros gag du film. C'est de la merde quoi, elle se barre, puis on la voit plus du film, puis à la fin il la retrouve, puis il fait quand même 2-3 scènes avec le mec qui fume de la weed, et il existe pas le pauvre vieux. Mais ça reste trop centré sur Jesse Eisenberg et Emma Stone qui ont un problème de cœur, tu comprends, et tout, et qui s'envoient des vannes pendant tout le film, et ça dépasse pas ça quoi, c'est vraiment... C'est vraiment écrit avec les pattes. Sans déconner quoi, si le but était de faire mieux, c'est loupé, car cette grosse barrique n'a rien compris à la notion de suite, car quand on voit le résultat, on se demande s'il en avait vraiment envie. C'est le syndrome Bronze et Trois ou les trois frères à leur tour qui se sont aussi produites sous la pression des fans hardcore, mais parfois il ne vaut mieux ne pas répondre à leurs requêtes. Parce que là, franchement, c'est une catastrophe, les dialogues sont à l'avenant, ils ne sont là que pour que le personnage s'insulte, se chambrer ou sortir une référence qui va te faire glousser, coco. Et ce n'est que ça, ce film. Fidéliser les fans qui en redemandent de la citation, et il passera allègrement sur les scènes d'action et de massacre de zombies où on ne voit rien et qui ne sont même pas badass et impressionnantes. En gros, ça se résume à un monster truck qui écrase 4 zombies à la fin. Super! Super! Ah bah super! Il y a un côté, on va capitaliser sur ce qui a fonctionné, mais 10 ans après... Non, je pense que c'est un film qui a été difficile à produire. S'ils l'ont fait avec le même budget que le premier, c'est que je pense qu'il y a des raisons à ça. Et 10 ans, forcément, il y a des trucs qui sont passés entre temps. Et même avant Bienvenue à Zombieland, il y avait bien mieux que ce putain de film, bordel. Regardez Shaun of the Dead, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Bienvenue à Zombieland, c'est juste la pâle copie en moins bien. Et surtout fait par des Américains qui, plutôt que de parler des mutations de leur pays, parle de merde. C'était déjà pas politique dans le premier, le 2, tu t'attendais à une satire où il se moque de l'Amérique de Trump, etc. Et t'as rien de tout ça, quoi. Normalement, le cinéma de genre, ça doit être quand même un vecteur de sens et d'émotion, et justement de faire passer aussi des fois la satire politique. Là, c'est clairement, putain, on est américain, on est fiers de l'être, on va défoncer les zombies, et voilà. C'est une scène où Woody Harrelson, il se met dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale et tout, à la place du président, ils en font rien, quoi. Ils font juste, oh, t'aurais fait un bon président, ah ouais, putain, j'aurais une politique vraiment incroyable. Tu dis, putain, c'est tout ce que t'arrives à sortir de ce potentiel-là, t'as la Maison Blanche, ou en tout cas, t'as le décor de la Maison Blanche, putain, fais-en quelque chose, bordel de merde. À un moment, Woody Harrelson, il a un marteau dans la main. Du coup, Jesse Eisenberg, il lui dit, hey, calme-toi, Thor. Non, mais sérieusement. Sérieusement les gars, puis je vais écrire un film et puis je vais faire une scène où il y a un mec qui porte un meuble et puis l'autre qui fait calme-toi Louis la brocante. Non, c'est ridicule quoi. Et tout le monde riait dans la salle. Ils font pas un film plus cher et ils proposent pas autre chose au public parce que le public ne demande que ça. C'est tu fous 2-3 balles dans la gueule d'un zombie, tu sors 2-3 petites répliques qui te font penser à des films et Thor et machin. Et en plus ça te fait des références à des trucs vieux comme le monde, ils s'en ont à foutre. Et quand même à la fin ils te refoutent Bill Murray dans le post-générique pour faire un lien avec le premier épisode et t'expliquer comment Bill Murray est devenu zombie dans le premier opus. On s'en balance les glaviers. Et alors putain, arrêtez les gars, déjà dans le premier, moi ça m'énervait, ces espèces de trucs de clip MTV là. Et ils ont des commandements qu'ils ont établis dans Zombieland et tout machin. Et c'est à chaque fois qu'ils évoquent ces règles, ça s'affiche règle 5. En anglais, ça s'appelle Zombieland Double Tap. Double Tape. C'est-à-dire double dose. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'ils mettent un zombie, ils mettent une balle et puis après, t'en as un qui peut atterrir et fait non. Double tape. Ça apparaît, je mens pas, ça apparaît 6 fois dans le film, les gars. C'est ça votre inventivité? Putain, c'est ça? Vous avez un boulevard pour faire une putain de suite, vous avez un casting de rêve que tout le monde s'arracherait, sans déconner, un casting de malade mental, quoi. Ils en font rien. Je suis colère. N'allez pas voir Zombieland, c'est raté. Retour à Zombieland, rematez-vous le premier à la limite, mais surtout matez-vous Shaun of the Dead et compagnie. Hein. Hasta la vista, baby. Terminator 2. Remember?
Et on continue cette opé frisson avec Brightburn, l'enfant du mal, on n'a pas la jaquette. Réalisé par David Yarovesky, qui avait signé The Hive en 2015, que je n'ai pas vu. De la team James Gunn, il a un petit rôle dans Les Gardiens de la Galaxie, etc. James Gunn l'a pris sous son aile et il a produit ce Brightburn, l'enfant du mal. Voyez Brightburn, vraiment voyez Brightburn, qui n'est pas révolutionnaire, qui n'est pas une œuvre fondamentale, mais qui est carré, concise, qui va à l'essentiel, qui s'encombre pas d'explications, encore une fois, contrairement au Joker, je le dis et je le répète, mais c'est tout. Parce qu'un film comme Brightburn, on l'a vraiment lâché en pâture au lion, en face de Toy Story 4, enfin je veux dire, il n'avait aucune chance de se défendre, alors que quand même, c'est produit par le réalisateur visionnaire des Gardiens de la Galaxie, c'est ce qui est mis dans la bande-annonce, j'adore, par le réalisateur visionnaire des Gardiens de la Galaxie. Genre, les Gardiens de la Galaxie, c'est quand même un film qui est peut-être cool, pas faussement cool comme Zombieland, qui a un côté vraiment, moi je trouve sincère dans l'humour et tout, mais je trouve qu'il en fait trop de vannes, trop de répliques, trop de musique, il y a trop de punchlines et tout, en voyant au bout d'un moment tu suis plus. Et puis y a rien que je n'ai pas vu 20 fois ailleurs, quoi, c'est ça aussi le truc. Moi bizarrement j'ai préféré le 2, parce que je trouve quand même qu'il y a un bel emballage pour le coup, même dans Horribilis, surtout dans Super, qui est sans doute mon film préféré de James Gunn. À l'époque où sortait Kick-Ass, juste envie de dire, regardez le film de James Gunn parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et James Gunn, on a l'impression qu'il a toujours conçu sa carrière comme ça, c'est-à-dire à faire des films qui sont l'inverse d'autres. Super est l'inverse de Kick-Ass, et Brightburn est en gros l'équivalent méchant de Superman. Parce que c'est des fermiers qui recueillent un gosse qui s'est écrasé près de leur ferme, etc. Et ils savent pas trop pourquoi. Et plutôt que de faire le bien, et ben celui-là il va faire le mal, comme l'indique son putain de titre, l'enfant du mal, putain. Donc il va mettre un masque, une espèce de cagoule SM, et puis une cape et tout, et puis oh, il va tuer les méchantes personnes qui n'étaient pas gentilles avec lui, et ça va bien, oh, putain. Et puis des fois ils se prennent, c'est pareil. Et du coup voilà, Brightburn, c'est simple, c'est efficace, c'est carré. Je trouve qu'il y a un peu trop de jumpscares, parce que voilà, c'est la mouvance actuelle, et faut mettre des jumpscares partout, parce que tu comprends, ça fait peur. Moi c'est pas les jumpscares qui m'effraient, c'est vraiment cette tension qu'il y a. Je trouve qu'il sait magnifiquement mettre en scène le suspense. Je trouve qu'il a vraiment des ambiances, il a une bonne photographie, il a des idées visuelles et un traitement de l'image très intéressant dans les scènes, on va dire, plus glauques et de tuerie. Dès qu'il est au jour et qu'il commet pas ses actes irréparables, etc., on est quand même dans un truc qui fait un peu cinéma indépendant, du champ contre champ. On t'a mis l'ISO à fond les ballons et on t'a éclaté la lumière, ils sont tous jaunes là-dedans et tout machin. Genre Dallas Buyers Club, etc. Une mise en scène quand même un peu plus inventive, j'aurais préféré, mais pendant les scènes de tuerie, il y va à donf, putain, il se censure pas. Quand tu regardes les films de James Gunn, c'est, je veux dire, dans Super, il te met une scène où, en gros, je veux dire, elle est mineure, elle va te baiser avec lui, il baise avec une mineure, et puis à la fin, lui, il va vomir dans les chiottes parce qu'il s'en va. Ça te représente la vie, ces films-là, je trouve. Et que même s'ils sont dans le genre, ils te rappellent que tout ça est universel, finalement. C'est des réactions qui sont humaines. Elizabeth Banks et David Deadman, qui jouent les deux parents, ils sont super bons, quoi. Et ils sont convaincants, ils ont la meurtrie, qu'ils s'en veulent d'être tombés sur un gosse comme ça. Et puis surtout, c'est très de la musique qui apparaît pile au bon moment, qui laisse des plages de silence, le suspense s'installer, l'ambiance macérée dans la crasse et tout. Il y a un côté un peu crasseux, poisseux, on est dans une ferme un peu sale, et surtout ça ne t'explique rien, ça ne t'explique rien, Brightburn. La force de l'image, ce qu'on défend toujours ici au début, putain, il te filme une boîte aux lettres avec le nom des fermiers, hop, il recueille un gamin, il voit un truc tomber, oh, il dit qu'est-ce que c'est, il voit le gamin, puis après tu vois des vidéos du gamin qu'eux-mêmes ont filmé en guise de générique. Voilà, point barre, en 2 minutes les gars, ils t'ont emballer le truc, et après ils ont qu'à développer leur scénar. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai des réserves sur Brightburn, c'est pas le film de l'année. Mais les seuls reproches que je lui fais, c'est que la mise en scène méritait pour moi plus d'audace et plus de folie, et que ouais, ça reste peut-être un film un peu trop carré, et que parfois j'aurais aimé que ça sorte un peu plus du cadre. Puis cette représentation du diable, où lui, il va parler justement à la voix qui est en lui et qui lui dit de faire le mal. Une espèce de porte de grange là où il y a du rouge derrière, et tu sens les techniciens qui ont secoué la porte pour que ça fasse peur. Les gars, bon. Le petit jeune s'appelle Brandon et est joué par Jackson Heidjun, qui est juste incroyable de charisme, de présence et de rage contenue, et que t'as peur du gamin. C'est la principale qualité du film, c'est que t'as peur. Et que surtout, ça te laisse te faire des images mentales sans à chaque fois t'asséner le truc. C'est la vision du réalisateur et de James Gunn qui ont dit, voilà, nous on propose ce truc-là, et par plein d'aspects, ça rappelle Superman, mais en version méchante. Franchement, plutôt que vous précipiter le 30 octobre à aller voir Retour à Zombieland, louez-vous Brightburn, et vous comprendrez tout ce qu'on veut dire depuis le début. I wanna do good, Mom. I do. Burn it if you fall!
The Last But Not The Least, c'est juste un petit clin d'œil, un petit truc, une petite friandise pour notre bon vieux Yannick Dahan, puisqu'on va parler de La Horde, réalisée par Yannick Dahan himself et Benjamin Rocher. C'est les frères Rocher qui sont à l'origine d'Opération Frisson, puisqu'ils bossent chez Empreinte Digital qui produit cette émission. Et donc du coup, c'est grâce à ça qu'on est là, et c'est grâce à ça qu'on parle de La Horde, de Yannick Dahan. Regarde, j'ai un crâne chauve comme toi et je parle de ton film. On va prendre la relève, quoi. T'emballe pas, je suis là, écoute. Ah, non, c'est un hommage, je le prends pas comme un pastiche, évidemment qu'on t'aime et que jamais on te pastiche. Alors oui, on est dans un hommage et tout, oui, on adore Dahan, mais alors putain, La Horde, voilà. J'adore ce putain de film. Je peux pas l'expliquer, c'est un film qui s'est fait descendre par les critiques, justement, par l'intelligentsia qui n'y voyait que du sang, de la vulgarité et puis des gros guns. Hein, c'est un peu ce que tu pensais, puisque La Horde raconte finalement l'expédition punitive d'une bande de flics venus venger un de leurs collègues tué par les mafieux. C'est pas mal méchant, les Marconi. Il se trouve que les flics se font repérer par la bande de voyous, mais qu'une menace encore plus grande gronde, puisqu'une horde de zombies va bientôt tous les bouffer, et les gangsters et les flics vont devoir s'allier. On est dans l'hommage le plus déférent à Die Hard et compagnie. C'est pas tant un film d'horreur, c'est plus un film d'action avec des zombies, où certes, par moment, il y a 2-3 incrustes en fond vert qui sont dégueulasses, il y a 2-3 coupes et changements d'axe qui sont pas maîtrisés, mais tout ça, c'est un manque de temps et d'argent, qu'on soit bien d'accord. Évidemment, c'est un mec quand même qui a passé 16 ans à chroniquer des films, je crois quand même qu'il sait ce que veut dire la valeur d'un plan, etc. Et d'ailleurs, ça se voit la plupart du temps. Quand à la fin, t'as le flic incarné par Jean-Pierre Martins qui monte sur le toit d'une bagnole et qui gueule à 300 zombies, venez bande d'enculés, qui les dégomme au gun et à la machette. T'es là, tu dis, mais oui, je suis dans Conan. Tu sens derrière qu'il y a une envie de passionner, que les mecs s'en foutent d'essayer de te tartiner, du social et tout. Ils le font un moment quand ils rencontrent René, qu'ils les accueillent chez lui, ils parlent tout ça de la France et de la place que t'as dans le monde et... Faut s'imposer que si t'es ici, c'est que tu veux être en première ligne, qui lui fait René. Et je veux prendre le magnifique Yves Pignot, Jean-Pierre Martins, Claude Perron, Éric Ebouané, Doudou Masta, Joe Prestia. Des fois, les dialogues sonnent un petit peu trop écrits, et puis l'interprétation est pas toujours au niveau, mais en fait, ça fait marrer parce que c'est généreux. Tu sens qu'effectivement, oui, ça en fait des caisses, mais c'est ça qui est drôle. C'est dû au dire à la sauce Steven Seagal, quoi. C'est le mec qui l'a mixé les tontons flingueurs à Justice Sauvage, quoi. Moi, je vois Éric Ebouané débarquer dans la pénombre de la porte avec sa gueule à la Samuel Lee Jackson avec un gun à la main et tout. Fais-la rentrer à l'intérieur, parce que c'est la titi, putain, mais... c'est ça que je veux voir, quoi. C'est ça que je veux voir au ciné, quoi. Des mecs qui prennent au sérieux le genre et que même s'ils ont pas de moyens, ah, putain, il faut me bander parce que... La Horde, oui, il y a des couilles techniques, oui, il y a des acteurs qui cabotinent, oui, il y a des dialogues un peu trop écrits, mais on s'en branle parce que ça forme un tout cohérent, sans t'appuyer les références, sans te mettre du name-dropping à tout va, etc. T'en as pour ton argent, quoi. Putain, contrairement à Zombieland, tu vois rien et tout, putain, c'est... du déchiquetage de zombies, la scène où t'as Ebouané qui défonce l'eau. je suis un putain de Nigérien, enculé. Là, c'est un film mal poli, méchant, qui crache par terre et puis qui pisse dessus. Faites-vous confiance, voyez un film généreux qui avait peu de budget, mais qui dépote, qui envoie. On dit, allez, film français, dans pas de budget et tout. Bah, putain, tu vois plus écrasement de crâne et de zombies déchiquetés dans La Horde que dans Zombieland et tous ces merdes-là. Enfin bon, bref. Ouais, cette opération frisson spéciale, voilà, c'est fini. En hommage à cette émission culte qui a duré 16 ans, à ce bon vieux Yannick Dahan, j'espère qu'il le prendra bien et qu'il aimera cet hommage absolu. Et terminé pour aujourd'hui, give me the DVD, you punk motherfucker, hein. Donc je le rappelle, matez La Horde en VOD, Blu-ray, DVD, etc. Ne téléchargez pas, voilà, putain. Pour Brightburn, c'est pareil, louez-le, achetez-le, voyez-le, c'est assez intéressant. En revanche, vous pouvez vous passer en salle de Retour à Zombieland de Ruben Fleischer, qui est vraiment une suite inutile et dégueulasse. Et par contre, courez voir Adoration de Fabrice Duwels, qui est pas son meilleur film, mais qui est encore une claque dans la gueule. Et qui, voilà, il a clôturé sa trilogie ardennaise, il va passer à autre chose, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, parce que c'est un mec qui a un talent fou. On vous conseille vraiment de vous mater tous les Opérations Frissons. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Opérations Frissons Archives, vous pouvez tous vous les faire. Il y en a qui datent d'il y a 15 ans, donc forcément ça a pris un petit coup dans la gueule sur son compte. Mais c'est toujours aussi propre et bien fait quand même. Même si parfois il peut paraître un peu sacerdotal et trop intellectualisant et clivant. Mais justement non, c'est l'inverse, c'est que
Moi, grâce à lui, j'ai appris plein de termes et tout ça, et ça m'a permis de faire de la critique ciné, parce que juste faire « Oh, c'est pas bien, parce que bon... » Les points négatifs, les points positifs. Voilà, donc retrouvez-nous sur notre page YouTube, Instagram et Facebook, Critique Sauvage by Production Lagrange. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. On vous fait des bisous partout, vive le cinéma, les copains, et bien sûr... Vive Yannick Dahan, bordel! Des fois, il suffit juste d'être badass, de faire un truc d'une heure et demie, et que t'as pas besoin de Joaquin Phoenix en slip et en jacket rouge qui fait des. Tu sais, les trucs là, on a. C'est c'est la danse contemporaine qu'ils adorent dans le camp, quoi. Alors, on rappelle le musical, alors on fait des petites danses comme ça. Et... une émission de Patrick Sébastien réalisée par le dernier d'une pub Dior, là. Patrick Sébastien Joker, ça serait. Ouais, Patrick Sébastien Joker, ça serait. Vous voyez pas que c'est deux personnes saines. C'est ça, c'est thème, c'est la version low cost d'adoration en fait. C'est en gros, Fabrice Duval, ça fait la version chef-d'œuvre de thème.